Dream said, this thing I've got change up. Seat lights! Sur Meta TV. Tous les dimanches, 20h-21h. Seat lights! Seat light, Meta TV, sweet light. Yeah, you better be on Sweet Light, Meta TV. Sweet Light. www.metatv.org. Sweet Light. Dimanche 20h, 21h. Dans le ciel, le soleil, le fils de l'homme aura beau tout faire, rien ne peut égaler ses merveilles. Le plus haut créateur de l'univers a fixé dans le ciel, le soleil. Babylone, t'auras beau tout faire, rien ne peut égaler ses merveilles. Laisse-nous louer l'Éternel et invoquer son Saint-Nom de manière naturelle dans les psaumes et les sons. Puis Rastafari quand son amour est bon. Oh oh oh, louer l'Éternel et invoquer son Saint-Nom de manière naturelle par les psaumes et les sons. Puis Selassie quand son amour est bon. Oh oh oh, au fond de toutes nos prières, au roi de Sion, lui qui entend la voix de nos supplicants. Sion, lui seul va nous libérer de cette oppression de Babylone et de ses tribulations. Mon peuple cherche ta rédemption, vis bien et loin de toute abomination. Dieu guide et ramène ses enfants en sa direction, loin de toute illusion vers la vraie bénédiction. Lord, louez l'Éternel et invoquez son Saint-Nom de manière naturelle par les psaumes et les sons. Puis Rastafari quand son amour est bon. Oh oh oh, louer l'Éternel et invoquer son Saint-Nom de manière naturelle par les psaumes et les sons. Oui, c'est là si aïe car son amour est bon. Oh oh oh, il est le premier, il sera le dernier. Noé, Abraham, Israël, ils sont honorés. Le Christ Emmanuel fut glorifié en Judée. Venons rendons grâce à notre divine majesté pour la promesse faite au roi David, fils de Jesse. Dans la lignée du roi Salomon, elle s'est manifestée. Un roi mort d'Abyssinie fut couronné. Empereur Haïlé Selassie est premier. Louez l'Éternel et invoquez son Saint-Nom de manière naturelle par les psaumes et les sons. Puis Rastafari car son amour est bon. Oh oh oh, louez l'Éternel et invoquez son Saint-Nom de manière naturelle par les psaumes et les sons. Puis Selassie car son amour est bon. Oh oh oh, car il délivre le pauvre qui a peur et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. De l'oppression et de la violence, il rachète leurs âmes. L'encens est précieux à ses yeux. Qu'il vive et qu'il leur soit donné lors du sabbat. On priera tous les jours sans relâche, pour toujours le bénira. Rendons grâce à notre divine impériale majesté, Haïlé Haï, King Selassie. Rastafari. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh. Rastafari.
meilleur. Le plus tôt c'est le mieux sera. Mais y'a pas des gestes épais, c'est la loi de la cause. Ah ah ah. Demain se construit au présent. Donne un sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme vivront plus content. Demain se construit au présent. Donne un sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme vivront. Hey, chaque vie sa vie et on fait ce qui lui plaît. Chaque tête, chaque esprit comme certains diraient. Mais la vérité qu'il a et qu'il la connaît. Reconnais, je connais. Pour que les chaînes se brisent mal par mal. Pour que l'homme ne soit plus victime de ses propres failles. Autrement dit, qu'il soit de taille. Dans un meilleur esprit pour un meilleur travail. Rastafari, demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon, et tu seras bien content. Rien que dans la discipline, l'homme et la femme vivront plus longtemps. Again. Demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon, et tu seras bien content. Rien que dans la discipline, l'homme et la femme. Get to you. Trouve la solution et fais le calcul. Vive pour survivre, faut pas que tu recules. Faut pas les laisser faire de toi un somnambule. Qu'à travers tes pensées et rêves, ils te manipulent. Écoute, le temps passe, le futur est présent, alpha ridicule. Bon, méchant, pour que la patrie postule. Retrouve ton sens avant que tout bascule. Comme sur toi-même, ne sois pas crédule. Ainsi, le chemin de l'amour, tu verras le crépuscule. Pour être malin, beaucoup se bousculent. Ah ah, intelligent, man, I am intelligent. Laissez la CIA dans leur face, j'articule. Courageux, fort comme ça, sans jamais combattre les recules. Enflacer tout ce parleur de ce noctambule. Pas de sexe, ni corruption, ni drogue, ni pilule. Marijuana, et je les attaque. Il y a musique, la méthode, la bonne formule. Bat, bat, il faut que les ghetto youth stimulent. Ou m'en avance dans comme une libellule. Ou en meilleur de mes Rastafari module. Demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon, et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme vivront plus longtemps. Again. Demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon, et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme vivront plus longtemps. Bien vaut tard que jamais mieux, mais plutôt c'est fait mieux ce. Fais gaffe à tes gestes, c'est fait, c'est la loi de la cause à effet. Bien vaut tard que jamais mieux, mais plutôt c'est fait mieux ce. Aïe, 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 aïe. Bien vaut tard que jamais mieux, mais plutôt c'est fait mieux ce. Fais gaffe à tes gestes, c'est fait, c'est la loi de la cause à effet. Bien vaut tard que jamais mieux. Quand on parle de conquering lion. Demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon, et tu seras bien content. Rien que dans la discipline, l'homme et la femme vivront plus longtemps. Again. Demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon, et tu seras bien content. Rien que dans la discipline, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Yeah! Let's get a little bit more than the lion. Give us a fish, we must have come to the lion. Aye, Malik said, aha. Love enough to keep your cool on this lion. Admiral the Lion, j'ai participé aussi à des collectifs, des groupes comme Roughneck. Roughneck Mahon aussi avec Neck Mahon, j'ai fait plein de featuring dont Gineco, Lino, Secteur A, Family Osman, plein d'autres. Sugar My Note de Jamaïque. J'ai aussi fait des tournées avec pas mal d'artistes aussi qui viennent d'où je viens, de la Caraïbe, Martinique plus précisément, de la métropole et aussi un peu de l'international. J'ai pu rencontrer pas mal de gens. Alors je me représente Martine Adelaire, pour toi et toi et toi. La Martinique, l'île où j'ai grandi à mon époque, était, je dirais, une île pour moi, avec ma vision d'enfant que j'ai justement toujours préservée, une île magique. Une île où voilà, je marchais nu, que nous avons des avocats en créole. Nous avons marché tout nu, 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 tout nu
presque juger mon cagado, tout le monde connaît tout le monde, tu vois, la voisine connaît la voisine, c'est un partage. Donc la Martinique, j'ai connu vraiment l'île magique, c'est l'île de mon paradis, quoi. J'ai rencontré le mouvement, j'ai embrassé le mouvement Rastafari dès ma naissance via mon père, qui est lui-même l'un des premiers Rasta sur l'île de la Martinique. C'est les Elders, il fait partie des Elders, donc j'ai tout naturellement baigné dans ce milieu. Et un peu vers mon adolescence, j'ai cherché par moi-même à comprendre ce que j'étais toujours dedans, ce qui était naturel pour moi, si c'était vraiment mon chemin, parce que bon, on est libre d'esprit. Même si, voilà. Même si on a des parents dans certaines catégories, on peut aussi choisir. Et vraiment, là, c'est vraiment l'héritage. Je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment l'héritage, que c'était vraiment ce que j'étais, c'était la voix qui me correspondait le mieux. Donc depuis là, j'ai continué l'école de Rastafari, qui est l'école de la vie. J'ai continué mon école et je continue encore. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai embrassé ce mouvement, via mes parents qui sont Rasta, mon père. Donc je veux dire, je suis un héritier de Rastafari, plus ou moins. L'évolution du mouvement Rastafari, oui, je l'ai vu, je l'ai vécu aussi, parce que je me rappelle, j'étais les premiers Rasta à l'école. Il y avait moi, il y a aussi Tiken, il y avait aussi Tiken. Les tout premiers Rasta qu'on peut connaître aussi, que la génération était mes amis, plus ou moins, c'est Aziz Varas aussi, un des premiers justement à porter le mouvement Rastafari, des jeunes à porter le mouvement Rastafari. D'ailleurs, j'aimerais bien chanter cette chanson. Moi, c'est un petit bonhomme, mani man, y'a moins pas gardé, as, moi passe, mani wote, moi savent ça, moi y est, les moins capables. J'avais oublié le reste, moi, mais bon. Le mouvement, comment il a évolué, les gens, la vision des gens sur ce mouvement, je dirais pas mal. Pas mal, et en même temps, des fois, quand je regarde ce qui se passe dans les news au pays, sur France Santé, je vois que c'est toujours un débat de porter des locks, c'est toujours un frein, c'est toujours. Je me dis en même temps, waouh, il y a une contradiction quelque part. C'est que, bon, un côté on vit avec Rastafari, l'autre côté on n'accepte pas Rastafari. Un côté on aime cette culture Rastafari, on sait ce qu'elle aime, l'autre côté on ne veut pas lui donner sa place. Voilà, donc je dirais que les gens, ils ont vu des choses, ils ont vu que ce mouvement, ils connaissent ce mouvement puisqu'ils vivent avec ce mouvement, ils vivent dans ce mouvement, mais il faudrait que, je dirais que la vision, la guerre a changé, quoi. Réellement, quoi. L'esprit n'a pas changé, sinon on serait un peu plus considéré, intégré. Voilà. Donc la vision reste quand même positive, reste progressive, puisque aujourd'hui tout le monde porte en rouge, jaune, vert, tout le monde écoute un peu plus de reggae, les stars comme les gens du ghetto. Aujourd'hui, voilà, c'est pas comme à mon époque où si tu avais un bracelet rouge, jaune, vert, le professeur qui savait te donner un avertissement, ou bien parce que, voilà, et c'est cette époque que justement je regrette que les jeunes de cette nouvelle génération vivent, que moi j'ai vécu ça il y a 30 ans, 35 ans, et aujourd'hui je vois c'est toujours le même débat. Non, ça n'a pas évolué. Ça a évolué au niveau de tout le monde porte du rouge, jaune, vert. Quoi. Tout le monde a envie d'aller dans le magasin mettre du lox tout de suite. Même pas attendre le temps que ça doit attendre justement pour que ça pousse, parce que le lox, ça va avec une façon de vivre. Chez Rasta, nous on dit Liviti. Liviti, c'est le temps de comprendre les éléments, son frère, les arbres, les oiseaux, de comprendre l'univers. Tu vois, avant de se proclamer Rasta, et d'ailleurs on ne se proclame pas Rasta, c'est quelqu'un quand tu passes dans la rue qui te dit « Yo Rasta !» À partir de ce moment-là, tu sais que « Ok ». On t'a reconnu tel quel, donc c'est que tu commences déjà à être Rasta. Donc voilà, c'est. Voilà. Mima Kouma est un pays, à quel big up to be, regardez la tour de Babel, you may say, walk on a lame. Mais aïe, pas qu'à changer pour maman et ghetto. Si on sait manger cochon, alimenté pas combien. N'est toujours esclave en balle en main, bétia. Kama recueille tout seul les pieds, chaîne en loa. Voilà, c'est. Tout ce que j'ai à dire aux politiciens. Et même aux gens du ghetto, c'est que. Moi, j'ai grandi dans cette île pour fermer son système, pour faire mes concerts. Ouais. On n'avait pas d'aide, quoi. Il fallait qu'on aille chercher nos affaires. Ça a vraiment été dommage. Quand je regarde l'atrium qu'on appelle la maison des artistes, moi, quand je suis descendu à l'atrium, j'ai joué à l'atrium une seule fois par mon frère Koulou, qui faisait un concert et qui voulait que j'y sois. Sinon, moi-même, j'avais déjà renié de jouer à l'atrium. Et je tiens à le dire parce qu'on veut nous mettre dans des.
dans des catégories, dans des choses que nous-mêmes, on ne sait même pas de quelle catégorie qu'ils parlent. On est juste des humains, une génération, on est leur propre enfant. Et aujourd'hui, de voir le coup de ce pays, voilà, à cette maison des artistes, quand je descends, il n'y a rien. C'est, même les musées en France sont plus animés que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est du marbre partout, c'est tout ça. Je sais qu'il y a plein de danseurs, plein de sculpteurs en Martinique, plein de peintres, plein de poètes, plein de musiciens. Et je dis que dans ce pays, ça devait bouger plus. Moi, je parle des politiciens à ce niveau-là, d'abord musical, parce que c'est la musique qui est déjà le mouvement du peuple. C'est ça qui pouvait amener le peuple, qui peut amener le peuple vers soi-même, comme faisait Mouna très bien, comme faisait Timine, comme faisait pas mal de gens de ce pays. Donc les politiciens, ce que je pense de la politique au pays, elle est nulle. Et il est temps qu'elle change, que l'État qu'elle se rajeunisse, justement. Je lisais mon magazine sur France Antilles et c'est marqué la semaine dernière, la Martinique vieillit. Alors ça me fait rire parce qu'on a plein de jeunes là qui sont actifs, qui sont intelligents, qui ont des dons, des potentiels, mais voilà, il y a des choses qui se passent en bas feuille chez nous. Et il est temps de changer tout ça, quoi. Sans accuser personne, mais voilà, la politique, elle ne me plaît pas, il est temps de changer de politique. Bon, puis belle souvenir de temps, si y a sous tambour qui m'a voyagé beaucoup, c'est à l'honneur du tambour. Oui, bon, c'est mal que j'aime là. Pour me quitter, m'a quitté pays en 72, c'est allé Barbade. Ah, bien. Oui. Et puis, moi, c'est Jamaïque avec mon âme. Bon, nous faisons tout Guyane, en France, Guadeloupe, tout partout. Ma chanson Yotumona, pourquoi j'ai fait cette chanson? Tout simplement parce que bon, je naviguais sur le net pour regarder un peu ce qui se passe. Et d'abord, je commence par ma culture. Je suis tombé sur une vidéo de Jeune Mona qui m'a touché profondément. C'est la vidéo 3 jours, 4 jours avant sa mort, où il y avait des témoignages de lui, où on disait qu'il avait mis deux urnes qui étaient restées vides. Et voilà quoi. Donc, ça m'a un peu touché de voir cet homme qui nous a tous, que ce soit culture, zouk, Goka ou reggae, dancehall, cet homme nous a tous groové, bougé, réveillé,
dans la conscience. Et voilà, j'ai été touché par cette vidéo de savoir que. Et de le voir aussi demander à la population de l'aider, quoi, qu'il était surendetté, qu'il était tout ça. Donc maintenant je m'adresse, je profite de l'occasion de Nampal, je demande à tous ceux qui aiment ma musique et qui aiment la musique traditionnelle et qui aiment une musique différente, donc de me donner un balance si c'est possible, de vous priver peut-être un samedi soir de graille, que cet argent puisse aller au corps musical et revenir à Eugène Mouna pour monter un Bing Bang et représenter la Martinique en Europe. Je vous remercie beaucoup. Et il a déposé dans nos bureaux trois grandes urnes d'environ 90 cm de haut, hein, trois grandes urnes pour recevoir les sous. Et malheureusement, il n'a pas reçu un centime. Il n'est vraiment pas tenu ouverture. Il dit même, manquez-moi, faut-moi, pour comment servir fumier. Voilà, c'est terrible. J'essaie d'apporter une musique, de façonner l'histoire pour que, qu'après ma mort, qu'on puisse dire, ben, il y a un monsieur qui est passé il y a 30 ans qui avait fait telle ou telle chose. C'est ça que j'essaie de faire, c'est mon but, quoi. Mais c'est la question qu'il a beaucoup souffert dans la musique, hein. Il a beaucoup souffert, hein. A vraiment souffert, hein. Georges a souffert, hein. Ah ouais. Il fermait la porte partout, on ne donnait pas d'aide, il avait rien. Ah non. C'est vraiment décarcassé, hein. On m'a pas laissé mon mot là, vous avez vu la musique que j'ai sortie, ce que j'ai fait, on est en dette, j'ai rien du tout, avec beaucoup de problèmes financiers, donc il faut que la Martinique, je dis ça au peuple, parce que comme je me suis renseigné d'autres endroits, ça ne marche pas, donc je fais appel à vous, le peuple martiniquais. Quatre jours avant son décès, je lui dis, alors il me dit, alors j'ai des royalties, j'ai gagné beaucoup d'argent, bah, je dis, on n'a pas vendu énormément, mais bon... Je peux peut-être te faire une petite avance, quelque chose. Il m'a dit, mais tu sais, quand je vais mourir, on va vendre plein de disques. Quand il est décédé, il y a eu un mouvement énorme, populaire. Et donc là, il y a vraiment un paradoxe. Alors, on revient un peu à la politique de tout à l'heure. Qu'est-ce que je pense à la politique? Alors, je me suis posé la question, mais tous ces gens qui, quand j'étais petit, j'écoutais Cyrano, tout ça là. Et Mouna, c'était déjà... Michael Jackson, un Bob Marley pour moi déjà à cette époque, et je pense pour toute ma génération et plein de gens, je ne pensais pas qu'il vivait cette vie, réellement. Je ne pensais pas qu'il vivait cette vie. Et là, il était en train effectivement de demander de l'aide à son propre pays. Où il est mort, il n'a pas vu vraiment ce qu'il... Mais il a fait le travail, il disait qu'il fallait, il savait qu'il fallait, il fallait qu'il meure pour qu'il serve de fumier. Chez nous, on peut bien comprendre ce que ça veut dire au fumier. Alors moi, je me suis senti, voilà, je me suis senti... intégré, comment je veux dire, vraiment dans le moment avec Mouna, où on est cette génération pour qui il a travaillé, quoi. Donc je me suis dit, ok, direct tout de suite, j'étais là avec ma femme dans ma cuisine, et direct, j'ai commencé à écrire le texte, et je t'assure que le lendemain, c'était déjà fini, et la semaine d'après, c'était déjà tourné, parce que c'était un... Ça m'a percuté, comme on a dit, fasse ce travail et nous montre à cette génération que wow, il faut y aller. Et Mouna a été un sacrifice pour nous, comme le Christ, moi je tiens à le dire. Et voilà, il n'y a plus de sacrifice à faire maintenant, il faut faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Alors, voilà ce qui m'a poussé à faire cette titre, tuer Mouna, afin que les gens sachent vraiment comment on utilise notre culture et qu'est-ce qu'on fait vraiment pour notre culture. Quand on parle de culture, on parle de tout, mais... Oh, c'est pas facile, mais il y a une vérité dans ce mot gratitude par rapport. Moi, je dirais que c'est notre comportement. Il y a justement quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que un artiste peut pas aller loin sans un peuple, et un peuple peut pas aller loin sans un artiste, et sans ces artistes, quoi. Que tout le travail qui a été fait depuis notre indépendance, plus ou moins, en Martinique, parce qu'on a une indépendance, moi, j'ai une indépendance, c'est quand je lisais des livres qui m'ont un peu raconté l'histoire de la Madone au pays, ce qui s'est passé. C'est là que je vois que, bon, voilà, il y a une conscience à éveiller. Et jusqu'à maintenant, toujours un petit peu déçu, pas de reconnaissance, mais de voir que, wow, on ne progresse pas, quoi, on n'avance pas, on ne fait pas avancer nos artistes. Et c'est vraiment dans nos îles que ça existe, parce que on n'a toujours pas de disque d'or.
Alors qu'on a, on a des disques de diamants, c'est qu'il y a un problème. On veut pas. Chez nous, tous les jours, il y a des disques d'or. En Guadeloupe, tous les jours, il y a des disques d'or. En Guyane, tous les jours, il y a des disques d'or. Mais en vérité, il y a quoi? Donc c'est à nous de nous prendre en main, à nous d'estimer ce qu'on a, à nous d'estimer ce qu'on fait. Ça veut donner de la valeur à ce qu'on, à ce qu'on, à ce qu'on crée réellement. C'est à nous d'aimer notre prochain. Et ça nous fera nous aimer nous-mêmes, et comme ça on ne pourra que se donner du positif et de bonnes critiques. Voilà, moi je pense que voilà, ce mot il est bien placé. L'ingratitude, c'est voilà, c'est ce serait un mot que j'inviterais tout le monde à réfléchir, là, petit et grand. Voilà, comment je me suis investi, mais je me suis tout naturellement investi, comme je retrouve mes frères, okay. Même le visage que j'ai pas connu, ben je le vois, on partage tout naturellement ce qu'il y a à partager. Je ramène ma vision d'ailleurs, je partage les cultures que j'ai embrassées ailleurs aussi, je partage des visions à ma manière. J'utilise beaucoup la musique parce que bon, c'est tout ce que j'ai, et c'est, voilà, c'est ça que je mets à 1000% à disposition. Et tout naturellement, quand je marche dans la rue, je me sens bien, je me sens bien, je me sens... Et c'est un truc qui va de vice-versa. Je me sens bien et je fais aussi que les autres se sentent bien, que le peuple se sent bien, qu'il soit petit, grand. Il n'y a pas de différence parce que c'est mon peuple, c'est même bien là. Hein. Donc c'est... Après, ils viennent tout naturellement, ils me posent des questions. Je réponds comme je peux répondre, je donne de 100% de moi. Autant en tant qu'artiste, autant en tant que rasta, mais avant tout en tant qu'enfant du peuple. On était bien entouré, quoi. On a été bien entouré, j'ai été bien entouré. En tant que rasta, j'ai eu mes grands frères, Levi, Freedom, Levi, King Makeda, qui est le lead spiritual du mouvement, Rastafari, donc on a Congo. Personnellement, j'ai été beaucoup encadré, instruit, donc toujours, comme je disais, dans le mouvement Rastafari, à savoir comment se comporter, comment parler, comment agir. Et voilà, on a, avec nos grands frères tout le temps à côté de nous, qui nous montraient des choses, qui nous prévenaient, c'était pas difficile pour nous de garder la tête froide. En tout cas, c'était pas difficile pour moi de garder la tête froide. C'est quelque chose, sortant du ghetto, la seule chose que tu as envie, c'est d'être mieux. C'est pas caresser ton frère, mais d'être mieux et faire en sorte aussi que ton frère il soit bien. Si tu en as les moyens, voilà, eh bien, on a su bien gérer ça. Les premiers, c'est vrai que je me rappelle que les premiers sous, j'ai touché avec l'argent, avec la musique, pardon. Bon, c'est toujours magique. Voilà. Mais ce que j'ai fait, j'ai tout donné à maman. Et maman, voilà. Voilà. Maman, voilà. Mais une machine à la maison, des choses qu'on n'avait pas, des choses nouvelles, quoi. Donc, c'est toujours de ce sens-là, canaliser, aider les gens qu'on pouvait aider, que ce soit mon village, Rasta aussi, participer à des choses, que voilà, quoi. Sans le dire haut et fort. Aider les uns les autres, s'aider soi-même aussi. Alors cette première entrée d'argent, eh ben, c'était magnifique.
qui me complète, car pour moi c'est fait, yeah, yeah. J'aime quand on a mon enveloppe, le vaut plus de le top. Martin dans du lion, ne te dira jamais stop. Baby girl, c'est avec toi que je veux être. C'est toi qui te vibrer tout mon être. Soutien, si cette fois je dois partir, je n'irai pas trop loin afin de pouvoir revenir. Pour tout le monde de rien, je ne cesserai de te chérir. Je me sens si bien lorsque je te vois sourire. Tu es mon élu, celle qui a su me retenir. Oh, je lui tout mon amour que j'ai bien souffert. Moi qui me supporte dans le meilleur et dans le pire. Jamais non, non, jamais non, je te laisserai partir. Comme la pure qui se mène en élan pour ma conane. Quand notre amour domine également, quoi qu'il advienne. Je suis fier de ton lion, fier que tu m'appartiennes. Où j'ai le remuant tout en haut de la plaine. Sentiment de plénitude de ta tonne. Toute ta attitude, mais le beau sommet suprême. J'aime ton attitude, mais il reste la même. Martin the Lion Show. Rastafari, c'est quelque chose de mystique. Mais le mystique ne veut pas dire ne pas se mélanger aux autres. Non, c'est parce que bon, j'ai une ligne de conduite que je veux garder et que je m'oblige de garder. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme, contrairement à ce que je peux lire et je peux entendre dire sur moi. Donc, non, c'est y a une réalité. Donc voilà, je me tiens juste dans ma place. Quoi. Je ne me sens pas à part, je ne me sens pas. Je me tiens juste à ma place. Qui a besoin de moi me trouvera, si c'est dans le bon sens, dans l'éveillement de l'esprit, de la conscience, dans le partage, le respect d'autrui, dans l'amour, dans la pureté, dans ces choses. On n'est pas parfait, mais c'est en tout cas à ce que Ayana aspire. C'est, voilà, c'est pour ça que bon, plus ou moins, je continue ma route de mon côté. Mais avant, pour ne pas me reprocher, je me suis mélangé, j'ai fait beaucoup de choses avant. Tu vois. Le temps est arrivé justement pour moi de faire ce que j'ai à faire, de m'affirmer dans ce que je suis venu pour. M7 Music, la création de mon label. La création de mon label M7 Music, pour moi, c'est comme un artiste qui doit avoir son instrument. Donc aujourd'hui, on a un artiste, on doit être, on est plus ou moins son propre manager, même si on a une équipe, on est son propre manager, son propre producteur, réalisateur avant tout. Donc on doit pouvoir se permettre d'avoir sa propre production. Et ça n'empêche pas qu'on peut aussi coproduit avec petit comme moi, avec les autres avec qui on se sent sur la même longueur d'onde ou pareil. Voilà. Donc mon label M7 Music, c'est un label que j'ai créé à un moment, ça, depuis 2001. J'ai déjà fait deux productions qui sont la première c'est Dancehall Academy, il y en avait plein de chanteurs, tous les chanteurs, Valet, Lutna, plein de pyromanes, tous les autres. Voilà, d'être sur l'académie, donc tu vois un peu ce que je veux dire. J'ai pu rassembler le maximum de DJ fait par mes propres moyens, avec les propres moyens des DJ. C'est pas un truc que j'ai fait seul, mais je dirais aujourd'hui, parce que j'avais pas d'argent, mais la volonté et un peu d'amis qui me donnaient des coups de main pour faire ces choses. Donc nous, on y croit toujours, même sans argent, on y croit et on le fait. Quoi. Ça veut dire. Voilà quoi. Donc M7 Music a fait cette première production et ensuite mon premier album. Qui est Best of Matinda's Friend, c'est aussi ma production M7 Music, ça vient de la maison. C'est Matinda tout seul, et tout seul, et avec la force de Dieu, et de l'amour, you know, c'est la même personne. Donc voilà, on fait les choses, et je ne me pose pas de questions, M7 Music est là pour me dire à rendre réel ce que je fais, quoi, ma musique. Adilayan Box. Dylan Box. Yes, Dylan Box, c'est l'endroit où je suis le plus souvent de ma vie, quoi. De ma journée quoi. Je reste là et je fais de la composition, je travaille ma voix, j'écris des chansons, les musiciens passent là, tout le monde vient me voir là, c'est le box chez moi, mais c'est un box aussi, c'est un label aussi, on va dire un peu dans
M7 Music. C'est un sous-label d'M7 Music. On peut retrouver dans des landbox des choses plus hardcore, le Matinda, et dans M7 Music des choses un peu plus larges. Voilà. C'est ça la différence entre M7 Music. Pas que le Matinda, mais d'autres artistes à venir. Voilà, il y en a plein. Et de toutes catégories, pas que reggae, pas que. Voilà, de toutes catégories. Parce que, voilà, moi je vois, j'ai une vision large de la musique. Allô. Allô. Chérif. Allô. Tu m'entends bien? Oui. Donc t'es tout bien bon, on va vous demander. Oui, oui, mon petit. Pas oublié, sans couteau, sans couplat, sans physique. Tout bien est belle, en même temps on a plus de métiers. Alors on a plus de métiers. Tout ça qui savent ça qui a changé mon monde. Police et voyou, alors un système comme une privée tous les jours. La nouca, chaque mon café, ouais, tout le monde est enchaîné, personne va les bailler. L'amour, solution, bat toute faille. Maman, ils sont genoux. Pour tous celles qui savent ça, qui ont changé mon monde. Un système qui a vu le verre tous les jours. La nouvelle, chaque monde qui a fait loin. Tout le monde est en chaîne, personne ne parle pas. L'amour, c'est une solution, battle fire. Maman, sans gêne. Pour tous celles qui savent ça, qui ont changé mon monde. On est à Dylan Box, c'est un peu principalement ici que je prends toutes mes vibes. Voilà. C'est justement, on n'a pas besoin de plus grand, on a besoin de se sortir bien, bien, bien. Alors c'est ici la plupart des sons que vous entendez, que je partage, que voilà, que, qui me vient, c'est d'ici. N'importe quel moment de la journée, n'importe quel moment de la soirée. Ça c'est la Dylan Box, c'est ici, il y a pas mal de vie, pas mal d'amour, pas mal de création, pas mal de musique, pas mal de rencontres.
Ok. Et donc sur ton dernier projet en date, Best of Mazinda's Friends. Yes, Best of Mazinda's Friends. Voilà. C'est là, exactement. Yeah. Donc c'est toi qui as fait toutes les compos? Oui. Principalement, on a fait toutes les compos avec. J'ai eu l'aide de Super John aussi. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup, qui était talentueux, je l'appelle le génie, là, qui m'a beaucoup aidé, mais on a principalement fait voilà, avec cette même configuration à la base. Et après, on est parti dans les beaux studios, ajouter des basses, des instruments additionnels. Yeah. Mais à la base, on crée tout à la maison. Moi, ce qui m'inspire musicalement, musicalement tout simplement, c'est un peu tout. Moi, je suis spontané, je suis imprévisible, je suis tout ça à la fois, donc qui fait que. J'ai besoin, je suis non-stop dans la musique, non-stop. Donc ça peut être un moment j'attends de manger, j'ai une mélodie qui passe dans la tête, un truc, bam! Il faut que je sois coupé, ça peut être sur la route, je prends mon téléphone, je mémorise quand j'arrive chez moi, mais c'est comme ça. Ça peut être une musique, ça peut être une image, ça peut être une méditation, yeah. Ça peut être tout. L'inspiration, c'est, pour moi, c'est pas une question, compliquée. tu as toujours, dans ta musique, dans la pratique artistique que tu fais, tu as toujours mélangé, tu as posé avec des rappeurs, des hookers, tu as toujours mélangé, on t'a toujours connu comme ça. Là maintenant, quelle direction tu prends? C'est vrai, on m'a toujours connu mélangé, justement, c'était justement l'avènement à ce nouveau style que les gens vont entendre de moi. Mais c'est pas un nouveau style pour moi, parce que ça fait un moment que je suis dedans, et c'est moi-même. Donc, le fait d'avoir mélangé, de m'être mélangé, rencontrer plein de styles différents, des rappeurs, d'autres styles aussi. J'ai rencontré des fois, on n'était même pas cité dans les morceaux, mais j'y étais. Quoi. Ça m'a de plus en plus ouvert l'esprit, ce qui était déjà là depuis le commencement dans mon ghetto. Quoi. Donc, je continue, et voilà, c'est aujourd'hui où j'en suis. Je suis à un tournant. Un tournant où, justement, j'ai sorti il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois de ça, un titre qui s'appelle Simone, SVP Simone. Voilà. Donc je suis à ce tournant de musique du monde, en tant qu'artiste, je me dois de continuer en restant fier, en restant sur mes bases, sur mes racines, et de développer ce que j'ai intérieurement. Quoi. Et pour cela, il faut des fois aller plus loin que ce qu'on pense déjà à la base de soi-même, se donner des challenges, il faut oser, il faut toutes ces choses. Quoi. Alors toutes ces choses que je viens de dire, oser, challenge, j'ai mis ça dans un seul bol, et puis j'ai mixé tout ça, et puis c'est parti. Quoi. Alors Simone et la suite arrive. Donc le tournant aujourd'hui pour moi, c'est musique du monde. Tout ce qui touche pas seulement une communauté, mais la communauté mondiale du monde. Quoi. Voilà, ça peut être reggae, dance, electro dance, pop, musique, toutes sortes de musique. Parce que la musique nous appartient, la musique c'est moins de communication. Là, voilà. Point. Bah. Je voulais partir très loin, le guichet est fermé, j'ai pas de billets. Tant pis, je peux montrer, je suis ma voix, tranquille, je m'assois. Y'a des jours comme ça, l'interdit ne compte pas. Derrière, j'entends une voix qui me plaît, je me tourne et je n'y crois pas. Devant mes yeux, une femme me contrôle. Un badge bleu, son prénom, c'est Simone. Simone, Simone. Votre billet, s'il vous plaît. Simone, Simone. Mon cœur marron sur sa voix, je ne compte rien du tout, je suis sous le coup. Je rêve de l'embrasser, d'avoir une amende et faire ce qu'elle demande. Y'a des jours comme ça, la folie ne compte pas. Je veux son téléphone, entendre chaque jour la voix de Simone. Tous les matins, je reprendrai le train. Sur le chemin, je chanterai ce refrain. Simone, Simone. Bonjour monsieur, votre billet s'il vous plaît.
fun, le fait que la réaction des gens m'a pas étonné, mais en même temps m'a appris des choses, quoi. Voilà, ça m'a appris des choses, ça m'a montré des choses, ça m'a réconforté dans certains trucs, ça m'a vraiment souligné certains trucs. Bon, alors maintenant, c'est sûr que moi, je suis avec les gens à être choqués, puisque bon, c'est justement de leur donner autre chose que ce qu'ils ont habitué, que ce qu'ils sont habitués de manger ou de boire, je veux dire ça comme ça. Et là, et c'est aussi pour moi un challenge qui est d'oser. D'oser quoi ? Pas de la critique, je parle pas de la critique, mais de rester, de toujours donner le 100% de moi-même dans autre chose. Voilà, ça veut dire que voilà, Simone, moi je suis très content, c'est pas un coup marketing, c'est seulement la continuité de l'artiste qui a envie d'explorer encore d'autres choses dans l'univers musical, qui s'appelle Martin Dandelion. Je trouve ça positif, on reste dans le positif. Ouais, Simone, j'ai très confiance en ce titre, je l'ai fait parce que je l'aime. Tout a été fait par moi-même, donc voilà, il n'y a aucune aide, c'est encore la folie d'un artiste, quoi, on va dire ça comme ça. Donc je suis très 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 content des bonnes critiques comme des mauvaises, tout cela fait avancer, tant que ça fait avancer. Bon, après je dirais, bon, il faut rester dans la réalité des choses, quoi. Donc Simone, ça me permet de tâter un terrain et puis de grandir, tout simplement. Alors, je suis très satisfait, c'est positif tout cela. Et ça continue à progresser chaque jour, je vois. Et ça m'ouvre d'autres portes, d'autres publics. J'embrasse d'autres horizons. Je me suis plus ouvert à vraiment écrire des textes encore un peu plus larges, toujours et encore. Voilà, pour si le faut, toucher l'humanité, quoi. Nice man, sexy man. Aye, don't matter number. Aye, boom. Martin and the Lion. Aye. Woman, approach, don't want a frontal. Matilda, tu dis quoi, je dis well. Pas de fraîche, je suis ton homme et toi ma belle. Lâche ton frontal, autant on y mêle. Au lieu de jouer à la 7, ni tout pucelle. Si moi, je t'amènerai au 7e ciel. Aïe, 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 comme t'es sexuel. Je suis ton mal, sois ma femelle. Choisis entre oui et oui. Laisse-moi être l'over, pas ton ami, girl, boom. Plus d'une fois, yes, again, on amène. Quoi que tu dises et quoi que tu fasses, je ferai tout pour que ça le fasse. Yeah. Donne-moi ton number, please, woman. J'aimerais seulement faire garçon. Donne-moi ton number, please, woman. Faudrait jamais tes pulsions. Donne-moi ton number, please, woman. Je reste pas dans ta collection. Donne-moi ton number, please, woman. Stimuler, faut stimuler, sans simuler. Why? Stimuler, faut stimuler, sans simuler. Why? Stimuler, faut stimuler, sans simuler. Oh man, j'mets le zoom, mais l'énergie laisse soit flasher. Boum! Stimuler, faut stimuler, sans simuler. Why? Stimuler, faut stimuler, sans simuler. Why? Stimuler, faut stimuler, sans simuler. Oh man, j'mets le zoom, mais l'énergie laisse soit. Que j'garde dans mes mots, c'est quelques clichés d'une délicieuse femme. Hardcore et brûlante comme une flamme. Quand tout tombe, visionnerie à mort par ses gammes. Idéal, woman, noir, si on m'enflamme. Donne-moi ton number, please, woman. J'aimerais un mauvais garçon. Donne-moi ton number, please, woman. Faudrait jamais tes pulsions. Donne-moi ton number, please, woman. Je reste pas dans ta collection. Donne-moi ton number, please, woman. Ne veux-tu pas comprendre? Ah, ah, pourquoi ne veux-tu pas entendre? Boum! Tu me mets high comme un split de taille. Tellement que t'as du style de face ou de profile. Hey, woman, ta présence est vitale. Dans mes journées, dans mes nuits, j'aime quand tu t'installes. Vas-y, donne-toi la peine et sois ma angel in the sky. Woman, tonight, ne demande pas de rester tranquille. Les gars comme toi, y'en a pas beaucoup qui défilent. Awa, 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 sois ma number one. Master, mon étoile. Que je t'amène au paradis du max sans escale. Donne-moi ton number, please, woman. J'aimerais un mauvais garçon. Donne-moi ton number, please, woman. Faudrait jamais tes pulsions. Donne-moi ton number, please, woman. Je reste pas dans ta collection. Donne-moi ton number, please, woman. Mais si j'ai mis ta question, jamais.
Yes, alors si j'ai un message à faire passer, si j'ai un mot pour la fin à dire, c'est juste s'épauler les uns les autres. C'est tout ce qu'on a besoin, s'épauler, ça entend dire profondément. Love, on tourne toujours au thème de l'amour, mais ça a été tellement dit, tellement répété que ça a l'air d'être banal. Mais l'amour, c'est la clé, le respect de Dieu, le respect des petits, des grands. Si j'ai un message à faire partie, à passer, ce qui me touche le plus, ce que je remarque le plus, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié qu'il y a des enfants autour de nous. Donc le message, c'est pensez à la génération future. Quoi. Et voilà, donnez le maximum aujourd'hui si on veut vraiment changer les choses. Et il est temps aujourd'hui que nous prenons en main, que nous disons non à certaines choses réellement. Tu vois, que nous prenons en main tout simplement en tant que créature, plus haut créature. Alright? Le message, c'est aimez-vous les uns les autres. Comme moi-même, je vous aime. Ah, c'est pas mal. Our pirates, yes, they're a bite. Sorry, die to the merchant ships. Minutes after the little guy. Bottomless pits, but my head was made stronger by the end of Selassie. We followed in this Armageddon triumphantly. 1, 2, 8, you see, these songs of freedom. All I ever, yeah. Redemption song. Redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy. Cause nothing can stop. Time. How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look, some say it's just about the foot. We've got to fulfill the book. Won't you hear to sing these songs of freedom? Cause all I ever have. Yeah, redemption songs, songs of freedom. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy. Cause none of them can stop and destroy. How long shall they kill our black prophets? While we stand aside and look. Ooh. Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another songs of freedom? Cause all I ever have, yeah, redemption songs. Redemption songs. Songs of freedom. Songs of freedom. Song of Rastama. Song of our people. Song of Mingima. Rastafari. Rubber on Mr. Marley. Going along.
plus tard que jamais mieux. Le plus tôt c'est fait mieux seul. Fais gaffe à tes gestes, c'est la loi de la cause à effet. Ah ah. Demain se construit au présent. Donne un sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme des fois plus content. Ah, demain se construit au présent. Donne un sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme des fois. Hey, tchop. Hey, chaque vie sa vie et on fait ce qui lui plaît. Chaque tête, chaque esprit comme certains diraient. Mais la vérité qu'il a et qu'il la connaît. Reconnais, je connais. Pour que les chaînes se brisent maille par maille. Pour que l'homme ne soit plus victime de ses propres failles. Autrement dit, qu'il soit de taille. Dans un meilleur esprit pour un meilleur travail. Rastafari, c'est demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme vivront plus longtemps. Again. Demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme. Qu'est-ce que trouve la solution et fais le calcul. Vive pour sauver, faut pas que tu recules. Faut pas les laisser faire de toi un somnambule. Qu'à travers tes pensées et rêves, ils te manipulent. Écoute, le temps passe, le futur est présent, alpha ridicule. Bon, méchant, pour que l'on passe le postule. Retrouve ton centre avant que tout bascule. Comme sur toi-même, ne sois pas crédule. Ainsi, le chemin de l'amour, tu verras le crépuscule. Pour être malin, beaucoup se bousculent. Ah ah, intelligent, I am intelligent. Aïe, laisse la CIA dans l'on patiente. Et que le courage est fort comme ça, sans jamais combattre en gueule. Enverser tout ce parle de ce noctambule. Pas de sexe, ni corruption, ni drogue, ni pilule. Marijuana, et je les attaque. Iria, musique et la méthode, la bonne formule. Basse-basse, il faut que les guettes, you stimule. Ou maman, pense ta comme une libellule. Pour un meilleur demain, Rastafari module. Demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme vivront plus longtemps. À quel demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme vivront plus longtemps. Bien le beau temps que jamais mieux, mais plutôt c'est fait mieux ce. Fais gaffe à tes gestes, c'est fait, c'est la loi de la cause à effet. Bien le beau temps que jamais mieux, mais plutôt c'est fait mieux ce. Aïe, 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 aïe. Bien le beau temps que jamais mieux, mais plutôt c'est fait mieux ce. Fais gaffe à tes gestes, c'est fait, c'est la loi de la cause à effet. Bien le beau temps que jamais mieux. That's the fall of the conquering lion. Demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme vivront plus longtemps. Again. Demain se construit au présent. Donne sens à ta vie intelligemment. Oui, sois bon et tu seras bien content. Y'a que dans la discipline, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Yeah. Let's get a little bit more timber, yeah, yeah. Give us a fix, we must have come to the night. Aye, man, I can say that, aha. Long enough to keep your cool on this one. Dream say this thing I've got change up. Sweet lights. Sur Meta TV. Tous les dimanches, 20h-21h. Sweet lights. Sweet light, Meta TV, sweet light.
Yeah, meta neuron sweet like meta tree. Sweet, sweet, sweet like www.metatv.org. Sweet light. Dimanche 20h, 21h.